Bonjour, Monsieur Feldman. Bonjour, Maître Renz. Nous vous attendions. Maître Renz est arrivé. Conduisez Pancratz au parloir numéro 2. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais, je voulais dire Monsieur Pancratz. Votre client veut qu'on l'appelle Monsieur. Il est très tatillon. Allez-y. Merci. Bonjour, Maître Renz. Bonjour. Parloir 2, comme d'habitude? Oui, parloir 2. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dépêchez-vous, Pancratz. Monsieur Pancratz, je vous prie. Ouais, allez, allez, allez. Bonjour, Maître Renz. Je vous laisse. Merci. Bonjour, Renz. Bonjour, Maître. Content de vous voir. Veuillez vous asseoir. J'ai lu la lettre que vous m'avez envoyée. Apparemment, vous êtes dans le beau droit, Monsieur Pancratz. Vous croyez vraiment? J'ai appelé Maître Simon juste avant de venir vous voir. Je voulais savoir pourquoi vous l'aviez congédié. Maître Simon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un avocat qui me prend pour un meurtrier? Ouais. Dans cette lettre, vous écrivez qu'on vous accuse à tort, que vous êtes victime d'une erreur judiciaire et que vous n'avez pas tué le professeur Vélin. C'est bien ça? Je vous jure sur la tête de ma mère Dieu et son âme que je ne suis pas un meurtrier. Le professeur Vélin était mon ami. En fait, quand je regarde bien, c'est le seul ami que j'ai eu de toute ma chienne de vie. Oui, bien sûr. Lorsque la police vous a arrêté, vous étiez sans domicile fixe et vous ne travailliez pas. Et pour finir, vous n'avez pas de famille. Le professeur Vélin a été la première personne à me donner un toit. Je pouvais dormir chez lui quand je voulais. Il m'accueillait toujours à bras ouverts. Il était content de m'avoir à la maison. Et maintenant, on m'accuse de l'avoir tué. Moi, qu'il considérait comme un père. Comment, Monsieur Vélin, et vous, vous êtes-vous rencontrés? Devant le supermarché. Il avait deux gros sacs. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Il a dit oui. Et nous avons sympathisé. Alors, il m'a invité à boire une tasse de café à la maison. Vous voulez que je vous dise, Maître? Il savait qu'il allait se faire assassiner. Comment ça, il savait? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi croyez-vous qu'il m'hébergeait? Parce qu'il se sentait en sécurité avec moi. Il m'a même donné les clés de la maison. Il me faisait confiance. J'étais comme un fils pour lui. Est-ce qu'il avait peur de quelqu'un en particulier? Comment voulez-vous que je le sache? Je suis pas devin. Il se méfiait de Madame Hip, sa gouvernante. De toute façon, c'est à la police de trouver le meurtrier. Mais elle lèvera pas le petit doigt, je suis le coupable idéal. Pourquoi aller chercher plus loin? L'affaire est classée pour elle. Comme ça, tout le monde est content. Vous aussi, vous croyez à ma culpabilité, Maître Renz? Ne nous emballons pas, Monsieur Pancratz. Avant toute chose, je vais tranquillement étudier votre dossier. J'aimerais que vous me signiez ce papier qui me donne les pleins pouvoirs. Non, je ne suis pas d'accord. Soyez sérieux. Vous passez en jugement dans quelques jours. Si vous refusez de signer, je ne peux rien pour vous. Je veux d'abord savoir si vous croyez en mon innocence. Bah, laissez-moi le temps d'étudier le dossier. Ah. Vous non plus, vous ne me croyez pas. En fait, ça ne m'étonne pas, j'ai jamais eu de chance dans la vie. Je suis un raté. J'ai eu droit à tout, l'orphelinat et la maison de redressement. Pauvre monsieur Vélin. Pour quelle raison aurais-je assassiné la seule personne au monde qui m'ait témoigné un peu d'amitié? Venez, signez ce papier. Je vais tout de suite passer au tribunal pour aller prendre votre dossier. Ça me permettra de me faire une opinion. Demain, nous verrons bien si nous arrivons à nous entendre. Allez, signez. Doucement! Faites attention! Cette commode coûte très cher! S'il y a la moindre rayure, ça ne sera pas remboursé par l'assurance. Madame Hip? Oui? Je suis de la police. J'aimerais jeter un coup d'œil à la maison, s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Allons, activez-vous un peu. Je vous fais pas pour que vous vous tourniez les pouces. Suivez-moi, monsieur. Voici le petit salon. Alors, tout va bien? Ce sont des commissaires-priseurs. Ne vous occupez pas de moi. Et voilà la salle de séjour, inspecteur.
Ce Pancrate, c'était un véritable parasite, mais le professeur ne voulait rien entendre. Combien de fois lui ai-je dit de le mettre à la rue, mais il ne m'écoutait pas. Son grand cœur l'aura perdu, finalement. Attendez un peu. Pancrate n'a pas encore été condamné. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. D'après le commissaire Bergman, ça ne peut être que lui, l'assassin. Ça, c'est lui qui le dit. Peut-être que le juge ne sera pas d'accord, surtout que Pancrate n'a pas avoué. En fait, c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais bien voir la cave à charbon. Très bien, venez. Ah non, non, non! Non, ça, c'est pour les messieurs de la salle des ventes. Par contre, ça, vous pouvez l'emporter, et ça aussi. Mais faites attention. Venez, par ici, c'est tout droit. Pancrate a dit que le professeur Velling avait peur et que c'est pour ça qu'il lui a proposé de l'héberger. À votre avis, il avait peur de quoi? Je n'en sais rien. D'un autre côté, il vivait seul dans cette maison et il était plutôt jeune, vous comprenez? Au tout début, il était content d'avoir quelqu'un pour lui tenir compagnie. Mais vous savez ce que c'est avec ces parasites? On leur donne le gîte et le couvert quelques jours et il n'y a plus moyen de les déloger. Voilà. C'est ici que je l'ai trouvé. Quel choc ça a été pour moi. Ah oui, ça je m'en doute. J'aurais pas aimé être à votre place. Il était blanc comme un linge. C'était affreux. Remarquez, c'est pas étonnant. Ça faisait 8 jours qu'il était là. Et puis encore heureux que je sois descendu à la cave. Autrement, Dieu sait dans quel état de décomposition on l'aurait retrouvé. Ah oui, et je vous remercie. Tenez, il aimait bien s'asseoir ici. Très beau fauteuil. Oh, j'oubliais, on a trouvé des traces de sang sur ce tapis. Et là, c'était l'endroit où il y avait le tisonnier, celui avec lequel il a été assassiné. Vous permettez? Je vous en prie. Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé quand on a abattu la maison du voisin. Ça s'est passé quand? Il y a environ 2 ans. Les dommages auraient dû être réparés, mais ensuite il a été question qu'on vienne démolir la maison. Ah, elle va bientôt être rasée. Je trouve ça honteux de voir des choses pareilles. Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce de charognard? Ça te suffit pas de nous avoir foutus à la rue? T'es venu danser sur nos cadavres? C'est qui le charognard? L'entrepreneur, monsieur Matisse. Vous voulez savoir autre chose? Oui. La dernière fois que vous avez vu monsieur Velling en vie, c'était quand? Le 4 février, c'était un mardi. Il y avait de la neige. Je viens toujours le mardi, ça va bientôt faire 15 ans. Il m'a même appelé chez moi le soir pour me dire que... Mais enfin, j'ai déjà raconté tout ça au commissaire Bergman l'autre jour. Est-ce que je peux voir votre carte de police? Mais bien sûr. La voilà. Mais dites-moi, vous êtes détective privé? Pourquoi vous m'avez fait croire que vous étiez de la police? Parce que sinon, vous ne m'auriez pas raconté tout ce que vous m'avez raconté. Réfléchissez, voyons. Je vais vous envoyer 3 autres ouvriers du chantier sud pour que vous finissiez dans les délais. Tu mériterais qu'on te pende, espèce de sale crapule, toi et tous les autres bandits de ton genre. Vous voulez juste vous enrichir sur notre dos? Alors, à demain matin. Laisse tomber, on ne peut plus rien faire à présent. Quoi, c'est qui ce gars? C'est Matisse. C'est entièrement de sa faute si on est tous à la rue. Bon, allons plutôt boire un coup, tiens. Vous fumez? Non, moi, c'est pas de refus. Merci, monsieur. Ce gars, c'est le propriétaire du chantier. Vous parlez d'un bandit. D'abord, il achète tout, et ensuite, il vire tous les locataires d'ici. En plein hiver, il nous a coupé le gaz et l'électricité pour nous faire déguerpir. Soi-disant pour rénover les vieux logements, mon œil. Ah. Et c'est lui qui a fait assassiner le professeur Velli. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, allez, viens, Franz, on n'accuse pas quelqu'un sans avoir de preuves. Quoi, parce que tu crois que ce salopard-là n'a rien à se reprocher? Il a eu des démêlés avec les Oskosson, une famille turque. Il a même été jusqu'à envoyer ses hommes de main pour les déloger et le faire affiner à l'hôpital, pauvre. Quoi, des hommes de main? Vous croyez que c'est eux qui ont tué le professeur Velling? Lui aussi, il ne voulait pas vendre. Matisse lui a offert 1 million de marques. Vous vous rendez compte, 1 million pour cette ruine? Oui, mais le vieux Velling, il voulait rien savoir. Il disait tout le temps, c'est ici que je suis né et j'y mourrai. Enfin, ben, au moins son souhait aura été exaucé. Le hic, c'est qu'il n'est pas mort très proprement. Est-ce que Matisse a essayé de le chasser? Allez, viens, Franz, on s'en va. Ça se fait pas de parler comme ça à un étranger. Tenez, prenez d'autres cigarettes. Ah, merci, c'est gentil, j'ai fumé tout à l'heure. Et dis-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que Matisse a tué Velling? Ben, c'est pourtant évident, il suffit de regarder le chantier, il n'y a qu'une maison qui le gênait, c'est celle du professeur. Non, l'écoutez pas, monsieur, il a trop bu. Et attendez, c'est non, quoi non. Maintenant? Je vais vous dire autre chose, moi.
Appelle le professeur Vanneter. Dirait que sa fille est allée signer le contrat de vente chez l'autre escroc. Et maintenant, tout le quartier lui appartient. Cabinet de maître Renz. Une seconde, je vous le passe. J'ai monsieur Matula au bout du fil. D'accord, passez-le-moi. Allô, c'est toi, Joseph? Oui, je viens de parcourir le dossier. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'aurais besoin que tu me donnes un renseignement. Est-ce qu'un entrepreneur du nom de Matisse, ça te dit quelque chose? Bien sûr. C'est un de mes plus anciens clients. Il dirige une très grosse entreprise. Est-ce que par hasard, ce Matisse figurerait sur le procès-verbal? Pourquoi? Attends, tu vas un petit peu vite en besogne. Tu ne vas tout de même pas le soupçonner d'être un assassin. Ah oui? Eh bien, je crois que je vais lui faire une petite visite. Comment ça, une petite visite? Allons, sois sérieux, Matisse n'est pas le genre de type à tuer quelqu'un. Hé, te mets pas en colère, il y a absolument aucun mal à aller voir le patron d'une grosse entreprise de bâtiments pour lui poser deux ou trois petites questions. Mais pourquoi? Tu vas perdre ton temps, et puis il ne nous reste que 3 jours. Oui, tu as raison, et ça me donne une idée. Tu vas m'inviter à dîner ce soir. Comme ça, je ne serai pas obligé de rentrer et faire la cuisine, et je pourrai consacrer 2 heures de plus à ton affaire. Entendu. Fais comme tu veux. Officiellement, je suis au courant de rien. Ça marche. Allô? Allô? Moi, je propose qu'on aille dîner dans un super restaurant tous les deux. Un français, par exemple. Foie gras et sauterne. Vous perdez votre temps. Monsieur Matisse ne veut pas être dérangé par qui que ce soit. Oubliez-le, votre patron. Pensez plutôt à nous deux. Un dîner romantique avec des chandelles et de la musique et 5 mètres d'hôtel uniquement pour nous servir. Toutes vos copines vous envieront. Vous et moi, on fera sensation. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'ouvrir la porte? Je n'ai pas le droit de vous laisser entrer. Et si je vous disais à quelle heure Monsieur Matisse va partir du bureau ce soir, ça vous va? Monsieur Matisse, est-ce que je peux vous voir une minute? Sinon, ce sera aux flics que vous aurez affaire et ça durera plus longtemps. Très bien, montez dans ma voiture et faites vite. Alors, c'est à quel sujet? Il paraît que pour votre projet immobilier, vous comptiez sur le terrain du professeur Welling. C'est exact. Pourtant, il refusait de le vendre. Non, je comprends où vous voulez en venir. Vous voulez m'entendre dire qu'il m'a posé des tas de problèmes. Eh bien, soit. Au début, il était disposé à vendre cette vieille maison. On a discuté du prix de vente, mais il a refusé de signer le compromis. Pourquoi ça? Je n'ai pas voulu aller au-dessus de 800 000 marques. Vous avez d'autres questions? Mais sans ce terrain, vous ne pouviez rien faire. Comment vous avez fait pour finalement avoir son accord? Qu'est-ce que vous entendez par là, au juste? Ne le prenez pas mal, monsieur Matisse. Vos anciens locataires prétendent que pour déloger les récalcitrants, vous n'hésitez pas à avoir recours à des pratiques assez douteuses. Vous avez aussi coupé le gaz et l'électricité en plein hiver et démoli des logements occupés. Vous dites n'importe quoi. Nous avons étudié cas par cas les dossiers de ces gens et trouvé une solution pour chacun. Allez vous renseigner et vous verrez. Quant aux ragots, on ne peut pas les empêcher. Ouais, des ragots comme pour la famille Huskesen. Qui sont ces Huskesen? C'est une famille que vous avez fait expulser manu militari par quelques-uns de vos hommes de main. Veuillez descendre. Pas avant de vous avoir posé une dernière question. Vous n'auriez pas envoyé les mêmes régler le compte du vieux Welling? Jamais je n'ai utilisé d'homme de main pour mes affaires. Bon, maintenant, descendez! Salade de calamar. Salade de crevettes. Avocat du pêcheur. Avocat, bien sûr. Surtout, ne te prie pas. Tu m'en as invité. Est-ce qu'il serait possible que la police criminelle ait une fois de plus choisi un innocent comme coupable? Finalement, ça arrange tout le monde, que ce soit Pancrate. Il n'a pas de boulot, pas d'argent, pas d'adresse, il tombe du ciel. Je vais te confier un secret. Si je peux obtenir une condamnation pour homicide involontaire, je m'estimerai très satisfait. Mais rien qu'avec la déposition de Madame Hip, il est cuit. Le pire, c'est que ce pauvre bougre espère l'acquittement. Cette Madame Hip comme témoin, c'est un gag. Elle n'a jamais pu l'encadrer, Pancrate. Il empiétait constamment sur son territoire. Est-ce que tu as eu la curiosité d'examiner son casier judiciaire? Tapage nocturne, petit larcin, état d'ivresse, c'est pas le genre à commettre un meurtre. Sauf que l'épreuve l'accable. Il y a ses empreintes sur le tisonnier. Et ça n'est pas tout. Après le meurtre, il a pris toutes les pendules et il les a revendues. J'aimerais bien l'aider, mais je ne vois pas comment. Et si par exemple ton client s'appelait Matisse, hein, au lieu de s'appeler Pancrate, tu penses que tu serais aussi catégorique? Tu te fiches de moi? Désolé, j'ai eu tort. Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai encore jamais permis à un client de me dicter la marche à suivre. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
Écoute-moi bien. Si j'avais une chance d'obtenir l'acquittement, j'essaierais. Mais là, je ne peux absolument rien pour lui. D'accord? Est-ce que tout va comme vous voulez, maître? Ah oui, j'avais parfait. Tu sais quoi? T'as oublié un détail, maître. Il y a au moins deux personnes qui profitent davantage de la mort de Velling que Pancratz. Et aucune de ces deux personnes n'a été appelée à comparaître comme témoin. Quand tu vas pas recommencer avec ce Matisse, j'espère. Il me faut quelque chose de beaucoup plus concret que ça. Pourquoi crois-tu que j'ai loué tes services? Jusqu'ici, tu ne m'as apporté aucune information, mis à part les ragots d'un vieil homme aigri. Dis-moi, Pancratz affirme que les pendules, Velling lui en avait fait cadeau. Il va falloir que l'avocat général prouve que c'est faux. Mais évidemment que c'est faux. Bref, tu penses qu'il est coupable? Je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais... si Pancratz arrivait à prouver que c'est vrai, t'aurais peut-être une toute petite chance d'obtenir l'acquittement. Il n'y aurait plus de mobile pour le meurtre. Est-ce que vous croyez toujours que c'est moi le coupable? Eh bien, dans ce cas, on n'a plus rien à se dire, maître. Attendez, monsieur Pancratz. Comment voulez-vous que je prouve mon innocence devant le juge si même mon avocat n'y croit pas? Mais c'est de ça dont je suis venu discuter. Non, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Pancratz. Dans votre déposition, vous reconnaissez vous être emparé de la collection de pendules anciennes du professeur Velling et les avoir ensuite revendues. Mais il m'en avait fait cadeau, qu'est-ce que vous vouliez que j'en fasse? Si nous pouvions prouver qu'il vous les a données, ça me faciliterait la tâche, monsieur Pancratz. Je pourrais peut-être même obtenir votre acquittement. Mon acquittement? Comment voulez-vous que je le prouve? Il m'en a fait cadeau pour me remercier, c'est lui-même qui me l'a dit. Est-ce qu'il y avait des témoins? Oui, madame Hipp. Mais je sais qu'elle refusera de témoigner. Elle me hait. Pour elle, j'étais un criminel. Elle me considérait comme une sorte de suppôt de Satan. Et à part elle, personne d'autre? Pas d'autres témoins? Apparemment, M. Velling tenait beaucoup à ses pendules. Alors pourquoi vous en a-t-il fait cadeau? Pour me remercier, je vous l'ai déjà dit, bon sang, il savait qu'il mourrait bientôt et qu'une fois mort, il n'aurait plus besoin de ses pendules, ce qui me paraît logique. Mais de toute façon, vous ne me croyez pas. Alors. Personne ne veut me croire, j'en ai marre. Vous me voyez rester une semaine entière dans la maison avec le cadavre du vieux Velling à mes côtés? Calmez-vous, voyons. J'essaie simplement de vous aider. Pourquoi croyez-vous que je suis venu ici? Attendez. Ça me revient. Il y a quelqu'un d'autre, sa fille, madame Rutkowski. Elle peut témoigner qu'il m'en avait vraiment fait cadeau. La voilà la preuve dont vous aviez besoin. Elle voulait même le faire déclarer irresponsable sous prétexte qu'il faisait trop de cadeaux. Pour un couple sans enfants, elle est plutôt grande la maison, non? Les Rutkowski étaient persuadés que le professeur Velling allait vendre sa maison et qu'il s'installerait chez eux. Avec le magot, bien sûr. Manque de peau, il a brusquement changé d'avis. Mais il s'est retrouvé avec la maison à payer. Et alors? Il avait de l'argent, le vieux. Il pouvait pas les aider financièrement. Il a même fait beaucoup mieux que ça, au bout du compte. Il a cassé sa pipe. Les Rutkowski ont hérité de sa maison, ils l'ont immédiatement vendue. Et ils sont sortis de la mouise. Mais regardez, c'est elle. Combien je dois? Moi, je vais vous dire. Des fois, la vie est marrante. On mène une vie minable et puis un jour, le blé tombe du ciel. Comme pour les Rutkowski. C'est un peu comme s'ils avaient gagné au loto. Peut-être que c'est eux qui l'ont tué, le vieux Velling. Je vous en prie, entrez, monsieur Matula. Merci. Nous ne sommes pas encore tout à fait installés. Plein sud, hein? C'est bien. J'ai une question, madame Rutkowski. Qu'est-ce qui vous fait penser que Pancratz n'est pas le meurtrier? Mais je n'ai jamais dit ça. D'où vous vient cette idée? Je vous ai dit que je représentais l'avocat de Pancratz et vous m'avez immédiatement invité à rentrer. Je ne sais pas s'il est coupable. En fait, je ne comprends rien à cette histoire. Vous connaissez Pancratz? C'est vrai que vous vouliez faire déclarer votre père irresponsable? Vous croyez sans doute que je me suis mal comportée avec mon père. C'est pas moi qui ai eu cette idée. En fait, j'étais contre. Est-ce qu'on va en parler pendant le procès? C'est votre mari qui a eu cette idée? Nous avions de gros ennuis d'argent. Nous n'arrivions plus à payer les traites pour la maison et ensuite, pour couronner le tout, mon mari a eu un accident. Je ne vous demande pas de vous justifier, madame Rutkowski. Tout ce que je veux savoir... Non, je veux que vous m'écoutiez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi mon père ne faisait rien pour nous aider. Au lieu de ça, il faisait tout le temps des cadeaux extravagants à sa femme de ménage et également à ce Pancratz. Nous nous sommes dit qu'il était peut-être en train de devenir sénile. Oh, j'ai honte de moi. Quelle impression vous a fait Pancratz? Pancratz? Franchement, j'avais du mal à saisir pourquoi mon père s'était soudain pris d'amitié pour lui. Pendant toute sa vie, il avait été tellement conservateur. Et brusquement, il s'est mis à changer. C'est devenu un homme différent. Du jour au lendemain.
Mon père n'a jamais supporté que mon mari soit un simple chauffeur de taxi. Et Pancrate, qu'est-ce qu'il est? Une espèce de vagabond, un clochard, un bon à rien. Un parasite qui n'arrive pas à la cheville de mon mari. Mais je sais pourquoi mon père l'a pris sous sa coupe. Il avait besoin de quelqu'un sur lequel il pouvait passer ses colères et qui supporterait sa mauvaise humeur sans rien dire. C'est possible. Pancrate s'affirme que les pendules étaient un cadeau de votre père. Le juge d'instruction est persuadé du contraire et prétend qu'il les a volées. Volées? Il n'avait pas besoin de les voler puisque mon père était prêt à tout lui donner. D'ailleurs, tel qu'il était parti, il aurait probablement fini par lui faire cadeau de la maison. C'est mon mari. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si pour moi, Pancrate, c'était l'assassin. Eh bien, je dois dire que lorsqu'on l'a arrêté, j'ai été plutôt étonnée car il n'avait pas intérêt. Bonjour. Bonjour. Je te présente Monsieur Matula, il est détective privé. Ah ouais, un fouille-merde. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Le nouvel avocat de Pancrate avait quelques questions à me poser. T'aurais jamais dû y répondre, ce type n'a pas le droit de t'interroger. Attendez, Monsieur Rutkowski. Votre femme a eu la gentillesse de me recevoir... Sortez immédiatement de cette maison, vous ne voyez pas que ma femme est souffrante, non? Je vous remercie de votre aide, Madame Rutkowski. Alors ça vous est égal de la faire souffrir, hein, c'est ça? Et pourquoi t'as pas refusé de lui parler, toi? Allez, dors! Dégage, on veut pas de toi ici! Et là, on ne touche pas. Helmut, je t'en prie. Et t'as pas intérêt à remettre les pieds ici. Tu diras à ton avocat qu'il pourra lui poser toutes les questions qu'il voudra quand elle sera dans le box des témoins, c'est bien compris? Bon sang, mais quand est-ce qu'ils te laisseront enfin tranquille? Commence à bien faire. Je suis encore capable de me défendre. Je veux savoir ce que ce type t'a demandé. Allez, raconte. Lorsque Pancrate a constaté le décès de sa victime, il a immédiatement dissimulé le cadavre dans la cave à charbon. De toute évidence, il s'agit d'un meurtre commis de sang-froid, car l'accusé est ensuite resté 8 jours dans la maison, jusqu'à ce que Madame Hipp découvre le cadavre. Pancrate a profité de cette période de 8 jours pour s'emparer de la collection de pendules anciennes de sa victime et pour les revendre une à une chez des antiquaires. Aussi, le ministère public a décidé d'inculper l'accusé de meurtre avec préméditation. Monsieur Pancrate, vous avez entendu le chef d'accusation retenu contre vous? Si vous voulez, vous pouvez vous exprimer sur ce qui vient d'être dit. Rien à ajouter pour l'instant. J'espère que vous ne croyez pas ce qu'elle vient de dire. Je voudrais pas avoir l'air d'être mufle, mais je me serais attendu à ce qu'une femme aussi cultivée ait un peu plus de compréhension pour un pauvre bougre comme moi. Monsieur Pancrate, je vous en prie, veuillez répondre soit par oui, soit par non. J'aurais dû m'en douter. Vous me croyez tous coupables et vous êtes juste là pour me condamner. Elle est belle, la justice. S'il vous plaît, maître Renz. Oui, par pitié, maître Renz. Dites-leur que je ne suis pas coupable. Pourquoi la police m'a-t-elle arrêté alors qu'elle n'avait pas de preuves contre moi? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de trouver le véritable meurtrier? Je suis victime d'une machination. Pancrate, nous aborderons tout cela pendant le procès. Monsieur le juge vous demande simplement de répondre par oui ou par non, un point, c'est tout. Je dois répondre à quoi? Avez-vous quelque chose à dire en ce qui concerne le chef d'accusation? Maître, pourriez-vous vous mettre d'accord avec votre client? Mais je vois pas de quel chef d'accusation vous voulez parler. Taisez-vous, vous allez énerver tout le monde. Rien à ajouter pour l'instant. Très bien, maître. Rien à ajouter pour l'instant. Rien à ajouter pour l'instant. Non. Pardon. Qu'entendez-vous par non? Que je n'ai rien à ajouter. Donc, c'est non. Oui, c'est non. Eh bien, nous y serons arrivés. Très bien, faites venir le premier témoin. Il s'agit du commissaire principal Obermann. Commissaire principal Obermann. Salut, maître. J'ose espérer que tu n'es pas venu ici pour avoir un repas à l'œil. Dans cette cantine? Ah non, non, moi je tiens à rester en bonne santé. Alors, comment ça s'est passé ce matin? L'accusation cherche des preuves. T'as fait convoquer Matisse comme témoin? Bon, je vais attendre un peu. Pourquoi tu vas attendre? Parce que tu m'as toujours rien apporté de concret sur le rôle qu'il a joué dans cette affaire. Et ces hommes de main, c'est peut-être pas du concret? Oh, allons, ça tient pas debout. Et puis, où sont les preuves? Tu t'es basé sur des racontars. D'accord, j'ai pigé. Un café, s'il vous plaît. Oui. Je crois surtout que tu es en train de te dégonfler. En fait, tu as peur de perdre ce Matisse comme client. Je croyais t'avoir rassuré sur ce point l'autre jour. Je ne sais pas, essaie de dénicher un indice ou un témoin. Comment veux-tu que je le mette dos au mur si je ne dispose d'aucune preuve? Personne ne témoignera contre lui et tu le sais aussi bien que moi. Il mène ses sbires à la baguette. Tu m'excuseras, mais il me faut absolument du tangible, pas des contes de fées. Des hommes de main à t'entendre, Matisse serait un truand. Qu'est-ce que tu fais du type qui s'est retrouvé à l'hosto? Je suis sûr que ce serait suffisant comme preuve devant un tribunal. Et là, les soupçons se tourneraient vers Matisse. Tout ça, c'est des oui-dire.
Combien de fois devrais-je te répéter qu'il me faut des preuves en béton, pas des ragots? C'est quand même pas difficile à comprendre. Ce sont les paroles exactes qu'il a prononcées? Oui, il a dit qu'il avait l'intention de le chasser de la maison et qu'il lui demanderait de lui rendre les clés la prochaine fois qu'il reviendrait. Il disparaissait souvent pendant plusieurs jours, ce parasite. Espèce de sale menteuse! Elle dit n'importe quoi! En fait, il était content de m'avoir à la maison parce qu'il avait peur de cette vieille sorcière. Pancrate, je vous en supplie, veuillez vous taire. Ce que j'ai dit est vrai. J'ai tout de même le droit de dire la vérité. Si vous recommencez, Monsieur Pancrate, je serai dans l'obligation de vous faire sortir. Bien, veuillez poursuivre. Madame Heap, quand vous avez trouvé le corps, quelle a été votre réaction? Autrement dit, qu'avez-vous fait en premier? J'ai appelé la police immédiatement, sans hésitation. Le téléphone est dans le salon. Au moment d'appeler, saviez-vous où était l'accusé? Dans la pièce d'à côté, madame. Même qu'il a écouté tout ce que je disais. Oh! Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit lors de votre communication avec la police? Eh bien, j'ai dit « Allô, c'est le commissariat. Dépêchez-vous de venir, je crois qu'il y a eu un meurtre. » Vous voulez que je vous dise? Moi, il y a un truc que je trouve étrange dans cette histoire. Comment se fait-il qu'il a foncé directement à la cave quand je lui ai dit que le professeur avait été assassiné? Mais tais-toi, vieille folle! J'en ai assez de l'entendre raconter n'importe quoi! Monsieur le juge, dites-lui d'arrêter de mentir! Monsieur Pancrate, vous n'avez pas la parole. Alors asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le juge. Veuillez poursuivre, je vous prie. Madame Heap, une question me trotte dans la tête. Lorsque vous avez constaté l'absence soudaine du professeur, pourquoi n'êtes-vous pas immédiatement allé à la police? J'ai été à deux doigts de le faire, mais Pancrate a prétendu qu'il était parti faire une cure. Faut dire qu'il avait la goutte et qu'il allait dans je ne sais plus quelle station thermale plusieurs fois par an. D'ailleurs, quand il s'en allait, il me prévenait toujours à l'avance et il m'envoyait des cartes postales. Je vois, oui. J'ai terminé. La parole est à la défense. Madame Heap, vous venez de dire que l'accusé a écouté la conversation téléphonique que vous avez eue avec la police. Comment avez-vous su qu'il vous espionnait? C'est exact, j'allais poser la même question. De là où je me trouvais, je ne pouvais pas l'entendre téléphoner à la police. Excusez-moi, monsieur le juge, je ne recommencerai plus. D'après vous, il était dans la pièce d'à côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé personnellement? À vrai dire, non. Pourtant, vous avez déclaré à la police que Pancrate s'était enfui de la maison parce qu'il vous avait entendu téléphoner au commissariat. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir une autre explication à ce départ un peu précipité? Bien sûr qu'il pourrait y avoir une autre explication à son départ, mais... Ah, vous voyez, vous aussi vous abondez dans mon sens. Madame Heap, vous avez déclaré tout à l'heure que le professeur avait l'intention de chasser l'accusé de sa maison et qu'il allait lui réclamer les clés la prochaine fois qu'il reviendrait, exact? Mais n'était-ce pas plutôt une idée à vous? Après tout, vous aviez Pancrate en horreur. N'auriez-vous pas monté le professeur contre lui? Qu'entendez-vous par là? Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. J'en doute. Vous n'avez jamais caché vos sentiments concernant Pancrate. Vous le détestez. Je vais formuler ma question autrement. Est-ce que vous considériez Pancrate comme un rival? Un rival testamentaire, j'entends. Oui, c'est exactement ça. Elle arrêtait pas de me casser du sucre sur le dos, mais ça n'a pas marché. Bon sang, est-ce que vous allez vous taire? Enfin, je vous promets que je dirai plus. Madame Heap, veuillez répondre à ma question, je vous prie. C'est moi qui me suis occupée du professeur lorsque sa pauvre femme est morte. Qui est-ce qui l'a soignée lorsqu'il était malade? Sa fille, peut-être? Et voilà que vous m'insultez après tout ce que j'ai fait pour lui. Mille fois, il m'a parlé de ses dispositions testamentaires. À sa fille, il laissait la maison, et à moi, il me laissait le reste. Je vois. Et au lieu de ça, le professeur a commencé à donner votre héritage à cet individu louche et suspect. Quand vous l'avez vu lui donner les pendules une par une, vous avez probablement eu très peur. Le professeur ne lui en a jamais fait cadeau. C'est lui qui s'est servi tout seul. C'est justement pour ça que le professeur ne voulait plus de lui à la maison, voyons. Madame Heap, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce qu'il vous est parfois arrivé d'avoir peur que le professeur change son testament à la dernière minute et qu'il décide de désigner ce monsieur Pancrate comme bénéficiaire, après vous avoir déshérité? Oui, et en plus, je suis sûr que c'est elle qui a assassiné le professeur pour être sûr de pouvoir toucher le magot. Je vais quand même pouvoir sortir de cette salle, monsieur le juge. Veuillez répondre à la question que vous a posée l'avocat de la défense. Je peux vous assurer que le professeur Welling ne désirait aucunement modifier son testament. Néanmoins, vous aviez peur qu'il change d'avis. Un peu, oui. Parce qu'à son âge, ça peut arriver. On devient sénile. C'est très courant.
Vous voulez voir mon mari? Oui. Veuillez entrer. Merci, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Matula. Excusez-moi. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Laisse-nous, va faire tes devoirs dans la cuisine. D'accord, papa. Monsieur Skuzon, j'aimerais que vous me parliez des problèmes que vous avez eus quand vous habitiez dans votre ancien appartement. Il paraît que vous avez été blessé. Oui, il n'a pas pu aller au travail pendant près d'un mois et demi. Montre-lui tes cicatrices. Chut, tais-toi, écoute, je t'en prie. Alors... Mais oui, il faut lui montrer. Ah, oh, vous avez vu où nous vivons? C'est à cause de ce porc de Matisse. Lorsqu'il a voulu reprendre le travail, il a été licencié. Ah, c'est rien, j'ai trouvé un autre travail juste après. Il faut que vous compreniez. Je vais bientôt trouver un nouvel appartement. Alors, je voudrais éviter les ennuis. Est-ce que vous êtes de la police? Non, je travaille pour quelqu'un qui est inculpé d'assassinat. Vous lui rendriez service en venant témoigner. Combien d'hommes vous ont attaqué? Ils étaient trois. C'était des hommes de Matisse. Ils ont attendu mon mari dans une rue obscure. Ah, écoute, ne dis pas n'importe quoi. Tu veux qu'il me tue? Il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Mon mari a peur. Il ne veut plus rien vous raconter. Il a peur de Matisse. Ces hommes, vous les reconnaîtriez? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a été témoin de votre agression, par hasard? Je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire. Je dois d'abord penser à ma famille. Bien. Navré pour le dérangement. Au revoir. Au revoir. Hé, monsieur, attendez, monsieur. Je connais le nom d'un des hommes, mais faudra pas dire que je vous l'ai dit. C'est promis. Parole de scout. Son nom est Gunther. Il a travaillé avec mon papa dans une entreprise de bâtiment il y a quelques mois de ça. Hein, Gunther? Et son nom de famille? C'est toujours ça. Merci. Vous allez où? Je cherche un dénommé Gunther. Il est au fond, près de l'atelier. Merci. Oui, j'écoute. Bonnie, passe-moi Gunther, c'est urgent. Vous savez où est Gunther? Allez, au fond. Merci. Gunther? Psst. Où êtes-vous? Gunther? Hé! Hey, Gunther! Oh. 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 Ah. Oh. 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 Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé dans les escaliers? Ouais, on dirait. C'est vous, Gunther? Il y a une flaque d'huile sur la marche du haut, je suis vraiment désolé. Ouais, ça arrive tout le temps. Je parie que je suis pas le premier à m'être cassé la figure. Eh non. L'inspection du travail devrait ordonner qu'on installe un monte-charge. Ouais. Ils vont sans doute attendre que quelqu'un se rompe le cou. Oh, vous faites pas de bile. Je suis sûr que ça va arriver un jour ou l'autre. Peut-être. Quelle chance que vous soyez toujours en vie. Vous vouliez me parler? Non, non. C'était une erreur. Joseph! Tu peux entrer, c'est ouvert. Toujours tu te mets dans des situations impossibles. Ouais.
Laissez-moi voir ça. Ah, bravo. Eh ben, dis donc, ils t'ont bien arrangé. Alors, tu vas faire venir Matisse à la barre? Tu reconnaîtrais tes agresseurs? Tu parles, il faisait noir. Et lorsqu'ils ont rallumé, il n'y avait plus personne. Heureusement que je me trimballe toujours avec une trousse de secours dans ma voiture. J'ai eu Matisse pour client autrefois. C'est un homme respectable. Tu parles d'un gag. Ouah! Je te savais pas aussi douillé. Tu vas porter plainte contre lui? Tu veux rire? Je connais pas mes agresseurs. Et en admettant que j'arrive à les identifier, ils auront tous un alibi. Ou bien ils diront que j'ai cherché la bagarre et qu'ils ont dû se défendre. C'est toujours la même histoire. J'ai aucune envie de me frotter à eux. Pas devant un juge. Par contre, je les retrouverai un jour et ça, ça va pas être triste. Oui. Le chevalier Matula. Et maître, bah, tu sais ce que je pense. Rester tranquille. Je pense qu'ils ont fait pareil avec Velling et avec Skuzen. Ils sont allés faire une petite virée chez lui, histoire de l'intimider et de le forcer à vendre. Mais ils ont tapé un peu trop fort dans leur enthousiasme et ils ont tué le dieu Velling. Ce qui n'était pas prévu au programme. Arrête, Joseph. Là, tu dis n'importe quoi. Je suis sûr que ça s'est passé ainsi. Combien tu paries? Écoute-moi. Je sais que Matisse est un businessman qui a des choses à se reprocher. C'est pas les scrupules qui l'étouffent. Mais recourir au meurtre... Et c'est quoi, ça? Et ça? Des marques d'affection? Bon, d'accord. T'as gagné. Maître Renz. Bonjour, monsieur Matisse. Il paraît que c'est à vous que je dois cette convocation. Vous croyez peut-être que j'ai du temps à perdre? Un peu de tenue, monsieur Matisse. Il s'agit d'une affaire de meurtre. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ça va être l'heure, maître Renz. Merci, j'arrive tout de suite. C'est comme témoin que vous êtes ici. Il n'y a aucun chef d'accusation contre vous. C'est marrant. L'autre jour encore, je disais à mes associés, je trouve que nous devrions travailler davantage avec ce maître Renz. Il est très bon. En fait, c'est le meilleur. Si je suis mêlé à un scandale à cause de vous, vous le regretterez. Si vous croyez me faire peur avec ce genre de discours, vous vous trompez. Madame Rutkowski, il se peut que le sort de l'accusé dépende de votre réponse. Aussi, je vais réitérer ma question. En votre âme et conscience, pensez-vous que votre père lui ait fait cadeau des pendules et des autres objets d'art? Oui. Madame Rutkowski, avez-vous été témoin de querelles entre votre père et l'accusé? Se disputait-il? Avait-il des divergences? Non, jamais. Pour reprendre une vieille expression, est-ce que votre père et l'accusé étaient comme les doigts de la main? Lorsque vous avez appris que l'accusé avait été inculpé pour le meurtre de votre père, quelle a été votre première réaction? Madame Rutkowski, voudriez-vous que nous fassions une petite pause? Non. En avez-vous terminé avec elle? Merci, Madame Rutkowski. Je n'ai pas d'autres questions. Vous êtes satisfait de ses réponses? Oui. Oui. Le ministère public aussi? Oui. Voulez-vous vous allonger dans la pièce à côté? Nous sommes navrés de vous avoir bouleversé, Madame Rutkowski. Faites venir le témoin suivant, Monsieur Matisse. Allez, viens, ma chérie, c'est fini. Monsieur Matisse. Mes respects, Madame Rutkowski. C'est pas moi qui ai tué votre père, je vous le jure. Taisez-vous. Elle a été du tonnerre. Continuez de vous taire, Monsieur Pancrate, et tout se passera à merveille. Le témoin a été cité à comparaître à la demande de la défense. Je n'ai aucune question à lui poser. Madame l'avocat général? Moi non plus, votre honneur. Maître Renz, c'est à vous. Monsieur Matisse, lorsque Monsieur Velling était encore en vie, vous avez apparemment tenté de vous porter acquéreur de sa maison. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Et il a refusé de la vendre, malgré la somme très élevée que vous lui aviez proposée. Est-ce que je me trompe? Non, c'est la vérité. Monsieur Matisse, avez-vous eu recours à des moyens inhabituels pour obliger la victime à vous céder sa maison? Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, lorsque vous avez abattu le pavillon voisin, vous avez démoli l'une des fenêtres de sa maison. Monsieur Velling vous a demandé de la réparer à maintes reprises, mais vous avez refusé d'obtempérer. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est l'entreprise de démolition qui était responsable et non pas la mienne. Donc vous l'avez en aucune manière fait exprès de briser sa fenêtre pour l'obliger à déménager et à accepter de vous vendre sa maison. Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas où vous désirez en venir, maître Renz. Monsieur Matisse, il circule certaines rumeurs à votre sujet. Je crois qu'il serait dans votre intérêt, dans celui de votre entreprise, que vous nous répondiez franchement.
Connaissez-vous un ouvrier turc du nom de Skozen? Un instant. Maître Renz, j'aimerais comprendre le rapport entre vos questions et cette affaire. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me l'expliquer. J'essaie de trouver un mobile à ce meurtre. Je cherche à déterminer qui avait intérêt à tuer le professeur. Je voudrais démontrer à la cour qu'il vivait dans une atmosphère de haine et de violence, et que sa vie était probablement menacée. De toute évidence, il a fait l'objet de pressions, surtout quand il a refusé de vendre. De quel type de pression s'agissait-il? Bref, je cherche à établir clairement que mon client n'est pas le seul à avoir eu un mobile et que d'autres ont pu en avoir un. Puis-je poursuivre? Oui, mais restez dans les limites de cette affaire. Merci, Votre Honneur. Bien. Monsieur Matisse, connaissez-vous un ouvrier turc du nom de Skozen? Non. Il habitait dans l'une des maisons qui ont été démolies. Il semblerait que des hommes de main travaillant pour vous l'aient agressé et blessé, et qu'il ait aussitôt quitté sa maison avec sa femme et ses 6 enfants. Monsieur Matisse, je dois vous informer que vous n'êtes en aucune façon obligé de répondre aux questions de la défense si vous jugez que cela pourrait vous être dommageable. Mais si vous décidez de répondre, il faudra que ce soit la vérité et rien que la vérité. Monsieur le juge, je n'ai absolument rien à me reprocher, aussi je vais répondre en toute franchise. Et quelque chose m'est brusquement revenu. Ça s'est passé il y a 6 mois. S'en est pris à plusieurs hommes de mon entreprise. C'était des charpentiers, je crois. Il a surgi comme un fou et les a attaqués avec une barre de fer. Mes ouvriers n'ont pas voulu porter plainte parce qu'ils savaient qu'il avait une femme et pas mal d'enfants à nourrir. Ils ont été chics avec lui. J'ai approuvé leur geste. Ça répond à votre question, maître? Tout à fait. Connaissez-vous les noms des ouvriers qui ont été agressés par ce monsieur Skozen? Il faudrait que je vérifie dans mes dossiers à condition qu'il n'ait pas été égaré. Bien sûr. Monsieur Matisse, quand la demande de mise sous tutelle a été déposée par Madame Rutkowski, la fille de la victime, vous avez fait pression sur la commission d'urbanisme, officiellement faisant valoir l'intérêt public, afin que la mairie prenne les dispositions nécessaires pour exproprier Monsieur Vélin. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est exact. Je suppose que vous n'ignorez pas que ce genre de procédure peut durer des années. Est-ce qu'un délai aussi long ne risquait pas d'être dommageable pour votre entreprise? Je savais que la commission d'urbanisme ne mettrait pas longtemps à trancher. Je vais reformuler ma question autrement. Si vous aviez été obligé d'attendre 2 ou 3 ans, est-ce que votre entreprise aurait fait faillite? Je ne puis que vous répondre la même chose, maître Renz. Je savais que la commission d'urbanisme ne mettrait pas longtemps à trancher. Monsieur Matisse, est-il vrai que vous avez plusieurs fois rencontré Madame Rutkowski avant la mort du professeur et que vous avez voulu la convaincre de vous vendre la maison dans le cas où son père viendrait brusquement à décéder? Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste? C'est pas moi l'accusé dans cette affaire. Mais en fait, dites quelque chose, monsieur le juge. Maître, veuillez limiter vos questions à l'affaire qui nous intéresse. C'est injuste, ce type prend des magouilles monstrueuses et voilà qu'on refuse qu'on l'interroge. J'étais là en veilleuse, monsieur Pancratz. Votre Honneur, dans l'intérêt de mon client, il est très important que je démontre certaines choses qui ont eu lieu longtemps avant... Vous fatiguez avant... pas, maître Reims, vous perdez votre temps. Notre cher monsieur le juge ne veut pas offenser monsieur Matisse, car c'est un notable respecté. Mais dès qu'il s'agit de quelqu'un comme moi qui a raté sa vie... Accusé. Vous passerez le reste de la journée dans votre cellule. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Oui, on me traite comme si j'étais un chien. J'aurais jamais dû venir au monde dans cette société pourrie. Emmenez-le. Je ne veux plus le voir ici aujourd'hui. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Je vous avais pourtant dit de garder le silence. De toute façon, que je cause ou que je ferme ma gueule, c'est pareil. Ils ont décidé que j'étais coupable dès le début de mon procès. Vous êtes tous des vendus. Vous condamnez uniquement les innocents. Votre Honneur, je vous prie d'excuser l'attitude de mon client. Il ne sait pas contrôler ses réactions. Il est très émotif. Un billard? Je peux même pas tenir une cigarette. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte. Non, on vient de sonner, et je sais pas qui c'est. Oui, je serai là pour ta plaidoirie. Entendu. Bon, on se voit demain matin alors. Ciao. Qu'est-ce que vous attendez pour entrer? J'ai dit que c'était ouvert. Madame Rutkowski, veuillez entrer. Excusez-moi, monsieur Matula, mais je voulais vous parler. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est rien du tout. Tenez, asseyez-vous là. On m'a demandé de venir témoigner aujourd'hui. Mon mari ne doit surtout pas savoir que je suis venue ici. Il travaille ce soir. Il est venu cette semaine. Allons, calmez-vous, madame Rutkowski. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Attendez, je reviens. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on m'a convoqué pour témoigner. Seulement j'ai pas dit tout ce que je savais. J'ai
désolée, j'arrive pas à retenir mes larmes. Mon mari, le soir du meurtre, mon mari est bien. Tenez. Vous parliez de votre mari. Oui, le soir du meurtre, mon mari travaillait de nuit. Avant de partir, il m'a dit qu'il irait probablement chez mon père pour le convaincre de nous aider. Est-ce que votre mari est allé le voir, finalement? Il ne pouvait pas supporter tous les deux. C'était de mon mari que mon père avait peur. C'était de mon mari. Ah bon, doucement, Madame Rutkowski. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, un jour où il était en colère, il l'a menacé. Je vais te tuer, fumier, je vais te tuer, fumier. J'ai mis ça sur le compte de l'emportement. Après tout, il était aussi coléreux que mon père. Pourquoi vous n'avez pas raconté cet incident au juge? Il s'agissait de mon mari, je n'allais pas témoigner contre lui. Oh, monsieur Matula, comment vais-je faire pour vivre avec lui? C'est peut-être lui l'assassin. Madame Rutkowski, est-ce que vous êtes consciente de ce que vous dites? Oui, j'en suis consciente, mais c'est peut-être un innocent qu'on va condamner. Et peut-être que je vis avec le véritable meurtrier. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Vous avez dit à votre mari que vous le soupçonniez? Non, c'est au-dessus de mes forces. S'il devait apprendre que je le soupçonne d'être un criminel et qu'en fait il est innocent, je pense que jamais il ne me le pardonnerait. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous êtes détective. Est-ce que vous ne pourriez pas trouver s'il avait un alibi? Mais peut-être que je me fais simplement des idées. Vous devriez en parler à Maître Rennes, il vous conseillera. Je vais nous préparer un thé. Je vous présente mes excuses, monsieur Matula. Je suis soulagée d'avoir pu parler de mes soupçons avec quelqu'un. J'étais vraiment à bout ces derniers temps. Je vais donc récapituler tous les faits. Au cours de ce procès, la Cour a établi qu'il existe des preuves indiscutables qui accablent l'accusé. Si nous examinons son alibi, nous constatons qu'il est inexistant. Ensuite, il y a l'arme du crime, le tisonnier. Il est couvert d'empreintes digitales appartenant à l'accusé. Ensuite, il y a un certain nombre de faits qui, liés les uns aux autres, ne laissent pas le moindre doute quant à sa culpabilité. De toute évidence, l'accusé a assassiné le professeur Welling dans le seul et unique but de s'emparer de sa collection de pendules et de ses autres objets de valeur. Il n'a aucune circonstance atténuante. Je requiers donc au nom du ministère public que l'accusé, M. Pancrate, soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et de plus qu'il règle lui-même tous les frais de ce procès. Silence! Un peu de silence, je vous prie. Maître Renz, vous avez la parole à présent. Où est passée Madame Rutkowski? Tu veux dire qu'elle n'est pas là? Mais non, elle n'est pas là. C'est bizarre, elle m'avait promis de venir. Maître Renz, dépêchez-vous. Vous voyez bien que nous attendons. Veuillez m'excuser pour ce contretemps, votre honneur. Votre honneur, j'aimerais revenir sur le réquisitoire que vient de nous livrer le ministère public. Madame l'avocat général prétend que les faits tendent à établir la culpabilité de Monsieur Pancrate. Madame l'avocat général, je trouve au contraire qu'ils établissent son innocence, car ils constituent des preuves bien maigres. Et avec des preuves aussi maigres, il est inconcevable qu'on puisse condamner quelqu'un à la réclusion. Il a raison. Vous n'avez pas une seule preuve. Un peu de silence, Monsieur Pancrate. Je n'ai jamais vu un accusé aussi agité que vous. Excusez-moi, Monsieur le juge. Est-ce que vous allez encore me faire sortir? Veuillez poursuivre, Maître Renz. Merci, Votre Honneur. Au cours de ce procès, un certain nombre de personnes sont venues témoigner qui auraient très bien pu se trouver sur le banc des accusés. Car il apparaît que ces personnes avaient toutes des raisons de tuer le professeur. Au lieu de quoi, elles sont libres. Comme par exemple M. Matisse. La police ne l'a même pas interrogé. Ni M. Rutkowski, le beau-fils de la victime. Pourquoi n'a-t-on pas vérifié si ces personnes avaient un alibi? Voilà un oubli que je trouve fâcheux. Je dois avouer que j'en suis venu à me demander si l'instruction judiciaire n'a pas simplement bâclé le travail et essayé de s'acharner sur un individu qui avait tout du coupable idéal. Réfléchissez. Pensez-vous que tout a été fait pour élucider cette affaire? Elle a tout avalé, docteur. Il n'en reste pas? Ah non, non, je vous assure. Il faut faire vite. Votre femme est là? Vous allez me faire le plaisir de foutre le camp d'ici. Il voulait consulter Maître Renz ce matin. C'est pas moi qui ai tué le vieux. C'est vous qui lui avez mis ça dans le crâne. J'espère que vous êtes content du résultat. Docteur,
Il faut la sauver, hein, je vous en supplie, je ne veux surtout pas la perdre. Vous montez avec nous? Oui, je vous suis avec mon taxi, allez-y. Hey, vous! Puisque ça vous intéresse tellement de savoir ce que je faisais la nuit du meurtre entre 6h du soir et 6h du matin, téléphonez à mon standard. Et surtout que je ne vous vois plus jamais. À cause de votre comportement hystérique, nous avons peu de chances d'obtenir l'acquittement. C'est stupide. Oui, je suis désolé. Si je m'écoutais, je me botterais les fesses. Joseph. Alors, tu as réussi à trouver Madame Rutkowski? Elle a voulu se suicider. Elle est à l'hôpital. Elle va s'en tirer? Ses soupçons ont été fondés? Son mari a un alibi en béton. Elle s'est montée le bourrichon. J'aimerais vous demander quelque chose pendant la lecture du verdict. Épargnez-nous vos interventions. Mesdames et messieurs, voici le verdict du jury. L'accusé a été reconnu non coupable. Les différents frais de justice seront à la charge de l'État. Voici les faits qui ont motivé le verdict. La défense a soulevé une question extrêmement cruciale lors du procès, et avec raison. Selon elle, l'instruction s'était juste bornée à essayer de trouver un coupable idéal. Ce point a été pris en considération par les jurés. Les jurés ont également tenu compte d'un autre argument de la défense, à savoir que l'ensemble des faits présentés par le ministère public devant la Cour n'était guère concluant en définitive. Il s'agissait surtout d'hypothèses. Il aurait été contraire à la raison d'envoyer en prison quelqu'un qui était peut-être innocent. Cela va sans dire. Aussi, les jurés ont préféré appliquer, et je les approuve, la vieille devise « Dans le doute, abstiens-toi ». C'est mieux ainsi. J'aimerais ajouter un commentaire personnel. Santé. Santé. Et toi qui affirmais que Pancrats n'avait aucune chance de s'en tirer, tu te rends compte que t'as failli laisser condamner un innocent? Arrête de délirer. En fait, j'étais juste irrité par son comportement. Je n'aime pas qu'un accusé cherche à me dicter ma ligne de conduite. Ouais, c'est facile à dire, ça, maintenant que t'as gagné et que Pancrats a été libéré. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que je suis... Te fatigue pas, t'avais un préjugé défavorable. Mais non. J'ai prouvé un certain scepticisme, c'est tout. Tout de même, il aurait pu au moins venir me remercier. Oui? Il y a ici Monsieur Pancrats qui aimerait vous voir. Faites-le entrer. Pancrats. Veuillez entrer. Bonjour, maître. Bonjour. J'étais venu vous remercier. J'espère que je ne vous dérange pas. Entrez, monsieur Pancrats. Nous parlions justement de vous. Je suis si heureux. Je vous ai apporté un cadeau, un souvenir. Elle n'est pas toute neuve, mais elle marche. Mais dites-moi, c'est une pendule du 18e? Ah non, je n'accepte pas ce genre de cadeau. Allons donc, prenez-la, vous l'avez mérité. C'est vrai, si vous n'aviez pas été là, on m'aurait condamné pour meurtre et on m'aurait confisqué toutes mes pendules de collection. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous les avez menées par le boudinet. Quelle classe, quelle classe. Vous savez, vous êtes un drôle de petit malin. Qu'est-ce que vous entendez par là? Remarquez, avec une tête comme la vôtre, c'était obligé que les jurés vous fassent confiance. Allez-vous-en. Je ne veux plus jamais vous voir. Mais qu'est-ce que vous avez, brusquement? Et emportez votre pendule. Non, mais ne me dites pas que vous avez cru... Allez, du balai, on ne veut pas de vous ici. Alors ça, c'est marrant. C'est bien la première fois de ma vie que quelqu'un m'a cru sur parole. Pourquoi vous avez menti? Il voulait faire de moi un être humain parfait. Il m'avait dit que si je buvais le moindre verre, il me foutait dehors. Ce jour-là, j'avais juste avalé un petit schnapps. Pas de quoi dramatiser. Alors je me suis dit qu'il ne remarquerait rien. Et dès que je suis arrivé chez lui, c'était parti. Il m'a dit que j'avais une haleine chargée. J'étais pas à l'aise. Il m'a engueulé comme du poisson pourri. Il a voulu vous jeter dehors parce que vous aviez bu un verre et vous vous êtes mis à lui taper dessus, c'est ça? Mais non, non. J'ai brusquement fait demi-tour et avec mon épaule, j'ai fait tomber une vieille pendule autrichienne. C'était sa pendule préférée. Vous auriez vu sa réaction. Il est devenu carrément fou furieux. Je l'avais jamais vu dans cet état. Brusquement, il s'est emparé du tisonnier et il m'a cogné dessus. Il a tapé une fois, deux fois, dix fois et puis j'ai commencé à voir des étoiles. Au début, j'ai même pas cherché à me défendre. Et puis... j'ignore ce qui s'est passé, j'ai...
Ça vous a pas empêché de rester 8 jours dans la maison avec le cadavre de votre bienfaiteur à la cave. Je pouvais pas m'enfuir. On aurait tout de suite su que c'était moi. Vous pensiez qu'on ne retrouverait pas le cadavre? J'ai eu beau me creuser la cervelle pour trouver une solution, j'ai pas eu d'inspiration. Le pire, c'est que c'était de la légitime défense. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé à la police pour tout leur dire? À ce moment-là, vous ne risquiez plus rien. Ben, c'est facile. Les flics n'auraient jamais voulu me croire. Et vous, vous me croyez? Vous voyez bien. J'avais aucune chance. Remarquez, peut-être que c'est pas moi qui l'ai tué. Peut-être que je viens d'inventer cette histoire. Bonjour, le fiasco. Quel fiasco? Ben, il vient de tout nous avouer. Ah, parce que tu crois ça? Sa confession ne vaut rien. Et si nous prenait l'envie soudaine de faire appel? Ça m'étonnerait qu'il répète ce qu'il vient de dire. Souviens-toi du verdict. La cour a décidé que les preuves n'étaient pas du tout concluantes. Comme dans leur esprit, il restait l'ombre d'un doute, ils ont préféré l'acquitter. C'est pas nouveau, ce genre de jugement. Déjà chez les Romains, ils faisaient comme ça. Alors pourquoi ça ne s'appliquerait pas à Pancrate?